C'est tellement Blighttown, quoi. Au secours. Au secours, on est à Blighttown. Et PTSD. Tu es sûr de toi, Amicia? Non, mais c'est le seul moyen. Fais très attention. En fait, je fais le téléchargement du jeu demain soir et ça bug, ah d'accord. Moi, je me vois bien en Eric et Ramsey. C'est pas Eric et Ramsey. Mais bon, c'est... On peut dire que c'est un peu l'humour... C'est un peu le même genre d'humour. Ah, je pensais qu'il fallait que je cours. Je m'attendais à un petit runaway, runaway. Eric et Ramsey, en gros... Ils sont inspirés très beaucoup fort de ce que je vais utiliser. Calmez-vous. Nous ne sommes pas. C'est un humoriste. Vous habitez ici ? C'est un groupe. Oui. C'est un groupe d'humoristes. J'en ai déjà trop dit. Tu verras. Ah ! Les bros. Zergrush, kékéké! Ils sont là! Ne lâchez pas la torche! Tant que vous la tenez, ils ne peuvent rien vous faire! Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Venez avec nous! Nous devons compter à la surface! Veulent? Le soleil nous ils veulent te miamer! D'accord. Vous en faites plus le seul! Il en vient plus! Il y en a d'autres! Continuez d'avancer! Ils sont trop nombreux! N'arrêtez pas! Oubliez-les! Ah oui, bah... Oui, bon... Oui, forcément. Tu vois une sortie ? Ouais, bah... Je peux voir où je cours ? S'il vous plaît. C'est comment ? Elle est belle la vague, hein, mais... Et Robin des Bois. Non. De toute façon, maintenant, je dirais non à tout. Les vrais héros du jeu, ils sont là. Et oui, ils sont là. Je sens que c'est pas de ma gêne. Les inconnus. Non. Je dirais non tout le temps, de toute façon. Tu verras la prochaine fois. Moi, je sais. Allons-y. Ah là là. Bon, refais la cutscene. Alors par contre c'est pas pratique là de courir à l'envers quand même. C'est pas très intuitif, disons. Non, mais c'est le seul moyen. Fais très attention. Il a piqué ma curiosité quand même, moustique. Ça gratte. Ah, tu verras demain ou vendredi. Mais oui, c'est insupportable les scènes de fuite. Je vais mettre la cam pour que tu vois derrière toi. Ah, c'est un truc récurrent dans le jeu ou tu dis ça de manière générale? Parce qu'effectivement, c'est pas. Parce que je peux pas zapper. Ouais, voilà. Dans le jeu globalement. Dans les jeux. Ouais. Juste courir fort vite. On est fichu. Non, on a de la lumière. On est en sécurité. Tout va bien. Tout va bien. Calme-toi. Ne me lâche pas. Tu crois qu'on va s'en sortir? Il le faut. Soyons très prudents. Away, away. Je le savais. Je t'avais dit qu'il fallait. Away, away. Comment peuvent-ils déjà être aussi nombreux? Hugo, ils sont là pour lui.
Alors, un petit passage là en dessous, éventuellement. Et du coup, est-ce qu'il y a un truc au fond là? Ah oui, c'est bien fait bouffer lui. Ah, c'est la suite en fait là. Je peux pas courir? Ah, attendez. Allez voir, j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit passage là. Faire un petit tour en Afrique du Nord. Ils ont des lance-flammes là-bas. Est-ce que. Non? Ah, je peux pas passer. On dirait pourtant. On remarque que ça m'amène juste derrière, on s'en foutrait en fait. Ok. Très bien. Pourquoi en Afrique du Nord, les lance-flammes? Je vois pas le. Pourquoi l'Afrique du Nord, les lance-flammes? Oui, ça tiendra. Ok. Ils avaient les techs à cette époque. Ah oui. Oui. Effectivement. C'est l'heure du délabrement pour la ville. Ah, on dirait, hein. Oui. Surtout ne fais pas tomber cette torche. Pour l'instant, c'est encore dans le Colisée, mais bon. Les petits rats, ils ont éclos. Bon, en même temps, on savait qu'ils allaient être là. Hein. Une grande surprise, hein. Pas de petit loot. On peut escalader ce mur, mais je dois avoir les. Tu aurais pu mettre un petit loot, hein, un petit truc, petit chips. Je n'arrive pas à croire qu'on abandonne la torche. Bah ça, moi non plus, j'arrive pas à le croire à chaque fois. Hein. Utilisons un bâton. Il va vite se consumer. On reste en ligne droite. Oui, la plus droite possible. Away! À la nuit tombée? Oui. Rien ne les empêchera de sortir. Ah. Ok. Ah, du coup, moi j'ai quand même envie d'aller voir par là. Un petit truc à gratter. Non, y'a rien à gratter là? Pas du tout? Oh. Sage. Parfait, pas ha, je l'ai lâché le bâton. Enfin. On doit absolument se réfugier plus en hauteur. La flamme tient bon. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Mmh. Oh, c'est sûr, s'il commence à arriver en vague là. En mode raz-de-marée, bon. Échelle ? C'est une échelle. Ah oui, là. Au fond, il n'y a rien qui brille. Ce brasero là-haut. Oui, je peux m'en servir. Quoi ? Hein ? Quoi ? Comment ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Hein ? Ah, ça là ! D'accord. Ah, je peux lancer les bâtons? Ah ouais? Ah, c'est trop marrant ça. Oh, la lumière n'attend pas l'échelle. Cet anneau a l'air plutôt fragile. Je le vois. Ah, c'est rigolo ça. Oui, beau travail. Allons-y, vite. Entendre du bruit. Pourquoi j'ai repris un bâton moi? Ah! Allô? Seul? Oula! Oula! Ah! Ah!
T'as vérifié qu'il n'y avait pas de rat dans les gouttières? Non. Non, c'est vrai ça. Pourquoi tu... Bon. Bah écoute, on va voir comment ils gèrent les plantages. Hein. L'erreur s'est produite. Ah bon? C'est vrai. J'ai pas remarqué qu'il y avait une erreur. Hein. Faute de Kaiki. Bah non, tu peux lui dire ça, elle est pas là. Elle est pas là. Remarque, c'est peut-être parce qu'elle est pas là, justement. Les rats de marée, c'est des rats bretons. Pas mal, pas mal. J'ai pas de... Faut un truc sur le tel deck. Je vais pas recommencer tout le chapitre, quand même. Ah non. J'ai eu peur, j'avoue. Quand il m'a mis chapitre 2, là... J'étais à quoi? Chapitre 2... C'est-à-dire... comment ça, chapitre 2? J'ai eu un peu peur, j'avoue. Un instant, je me suis dit... Ah! Tour fait. Oui. Beau travail. Allons-y, vite. Mais pourquoi je reprends un bâton? Arrête avec ton bâton là. Tu vas faire bugger le jeu. C'est forcément sa faute. Enfin, hauteur. T'as, c'est... Il est quand même putain de beau le jeu. Je ne sais pas combien de temps une dinguerie. Hein. Mais oui, on part pas loin, les petits poux. J'aime trop. Quick, quick, quick. Vraiment? Une poutre? C'est l'unique chemin. Oui. Doucement. Wow. Ça va, une poutre. Surtout, prends ton temps. Ah oui, bah alors forcément si la poutre se casse la gueule. Non, je suis en sécurité. L'échelle, il faut que tu montes. Ben oui, il fallait que ça m'arrive à moi. Ah, l'utilisation maligne du Colisée là. Ils en ont après moi. Reste calme, tu es en sécurité. Pour l'instant, je ne t'abandonnerai pas, tu le sais. Sauf une fois au chalet. Ah, il a rien à craindre, il n'y a pas de chalet. Oui, oui, oh là là. Ok. Ah oui, du coup là... Ah ouais, c'est trop bien ça. Du coup, je peux faire ça. Ah, ah c'est rigolo ça. En vrai. Non, ça, c'est sympa, j'avoue. Il y a un petit côté... Ouais. Qu'est-ce que quoi? C'était quoi tes gestes là? Quoi? Qu'est-ce qu'il essaye de dire là? Bien, il était en train d'essayer de m'indiquer l'échelle là? Il veut une torche. Ah, il veut un bâton? Ah ouais, c'est ça en plus. Courage, fais vite. Merci. Et ne tombe pas cette fois. Tu vas y arriver. Ne panique pas. Je comprenais pas. Bah. C'était horrible. Merci. Arrête de me donner des sueurs froides. Avançons. Ok. Bon. T'inquiète pas, je t'abandonne pas. Puis là, Missa qui prend l'échelle et qui se barre. Moi, je suis prêt à me barrer en mode bon, il va bien. On hein. Se rapproche de la lumière du jour. Peut-être qu'on se rapproche de cette tour. J'ai hâte d'entendre le plan du magistère Vaudin. Son plan a intérêt à être bon. Il le sera. Magistère Vaudin, à mon avis. J'en peux plus. Je vais me charrier. Je vais tilt.
Ah, je comprends. C'est juste une catastrophe. Et l'état d'Hugo empire à chaque seconde qu'on perd ici. T'allais l'abandonner, bravo. Tout ira bien. Oui, peut-être un peu, sans faire exprès. Ça va, il y avait du feu là. Il n'y a pas de rats. Non. Grand garçon. Mais ils étaient là il y a peu. Regarde tous ces corps. Encore chaud. Oui. Ils sont proches. Attention. Ils ont bien grignoté là. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est? Des rails dans le mur. Eh bah oui, mais... On dirait un mont de charge. On pourrait sortir par là. Que est? Lucas, qu'est-ce que c'est que ça? Les J'ai mammouths? Ça dans un livre. C'est un éléphant d'Afrique. Les Romains les capturaient pour les jeux du cirque. C'est énorme. Regarde, ses dents. C'est irréel. Ah, c'est dedans, c'est dedans. Oui, c'est des défenses. Quand même. Trouvons la sortie. C'est pas ce que c'est qu'un éléphant? Manifestement non. Hein. Ça sent cette odeur. C'est du soufre. C'est une forge. Ça a l'air bien fermé. Une manivelle. Voyons à quoi elle sert. Une forge. Ah. Je trouve de l'adamantium. Je te crois. Je ne vois pas grand chose d'ici. Ça sent la viande là. Et deux grosses canines qui sortent du devant de la tête. Ça se trouve c'est un buffle vampire. Ouais bon. Nivelle, hein. Eh, tu veux pas courir hors combat? C'est un peu nul ça. J'ai besoin de ton aide. Bien sûr. Bon, allez. Hein. Ah oui d'accord, c'est chacun de son côté. Waouh. Wow. Non. Ah d'accord. Que dans un sens. Regarde la plateforme. C'est inattendu. Je pense qu'il est assez gros pour illuminer toute la pièce. Pas du tout. Comment on fait pour l'allumer? Je ne sais pas. Avec du feu. Salpêtre, soufre, alcool, tout ce qu'on peut trouver. Viens, les alcôves sont ouvertes. On y trouvera peut-être quelque chose. Oui, là où il y avait du manger. Des stocks de viande. On a besoin d'un agent de conservation, comme de l'alcool. Peut-être dans ce coffre. Bon. Essayons d'occuper ces rats d'abord. Ne tombe pas. Merci, Lucas. Best conseil ever. Bon, on va déjà faire ça. Allez. Ah, je sais ce que c'est le bruit que j'ai entendu. C'est la manette. C'est la manette qui cause. Putain. Ça va leur plaire. Affreux. Ça en vrai c'est un peu chiant. Hein. Allons voir ce coffre. On croirait qu'ils n'ont rien eu à manger depuis des siècles. Il y a un côté sympa, hein. Mais non en fait. La manette hantée. What the fuck? Alors, qu'est-ce qu'il contient? Bah c'est ça, le son il. Enfin. Tiens. Oui, c'est bien. Le son c'est il bien. Est pas fou. Reviens. Après, bon, bah voilà, c'est fait pour être console de salon, tu vois. Mais, bon. Ouais. Ah, j'adhère pas de ouf, de fou non plus. Hein. Ça me faisait ça aussi sur...
je crois que c'était le Blade 2. Il faisait pareil. Attends, je vais regarder quand même si je peux pas les dégager. Parce que ça, non. Merde. Ça, c'est vrai que c'est un peu chiant. Déjà, j'ai enlevé les vibrations. Général. Là-dedans. Indicateur de présence d'ennemis. Oui. Réticule, télémétrie, gameplay. Audio. Dialogue au film. Mode d'écoute. Ah. Ah non. Voilà. Ouais. Déjà, on va mettre au casque. Nintendo a fait ça avec les Wiimote, ils ont arrêté. Bah oui, du coup, PlayStation ont commencé, quoi. Combine tous les sauts du audio à une sortie unique qui reproduit les canaux gauche et droite de manière égale. Ah bah non. Pas que ça soit égal. Mode invincible. Carrément, quoi. Contrôle. Non. Pas des contrôles, hein. Tu peux pas lui faire fermer sa gueule à la manette. T'es obligé qu'elle fasse du bruit. Dingue ça quand même. Attends. Ok. De mettre le jeu en mode casque, ça a coupé la manette. C'est ok. Bien. Il faut un autre élément et on pourra fabriquer de l'énifère. Tu te souviens? L'énifère. Je l'avais oublié. Allons voir dans l'autre pièce. C'est du soufre, c'est ça? Un énifère? Oui. Ah bon? Il y en a de répandus sur ces planches. Comment on fait l'univers déjà? J'ai oublié. Ce serait parfait. Alors montons voir. Amicia, quand même. Il y a un monte charge. Allez. C'est pour les nouveaux qui n'ont pas joué WoW. Tout ça. Évidemment. Est-ce que ça va? Oui, c'est le plus beau jour de ma vie. Tu fais quoi là? Faut laisser appuyer triangle? Oui. Mais c'est vrai que ça c'est un peu... Ouais, dans la paramètre de la console, faudrait que je regarde, ça se trouve... Je peux pas lui dire de prendre le relais, là? Elle a... Là, je vais... Lucas, occupe-toi de ça, s'il te plaît. Bien sûr. Il travaille, là. Mais non. Ok. Perds du temps. Oui, bon, perds du temps. À ton signal. Ah, d'accord. Arrêtez maintenant, naturellement. Il faut accélérer. Je m'inquiète pour Hugo. La tour n'est plus très loin. Dès qu'on trouve Vaudin, elle... On ne sait même pas s'il est là-dedans. Et avec les rats et ses mercenaires. Hey. Oui. Mon Dieu.
quelque chose? Tu avais je vais abuser de cette musique oui. X-Files. Hein. Enfin une bonne Faut que je trouve un autre truc en fait. Bien, on a du soufre et de l'alcool. C'est une base idéale pour les mammifères. T'as il me lançait origine. Allez, mélange-les. À la place d'IA, j'en peux plus. Ça sauve la vie. Eh ben. C'est pas origine l'application d'IP dédiée? Moi oui hein. J'imagine pas pour les gens qui touchent pas trop PC le bordel que ça. Ben, je sais pas quand je passe par le Game Pass pour lancer un jeu. Ah, attends. Ah ouais. Ok. Fini. Lance-le sur ses braises avec ta fronde et. Je me suis dit la même chose. Ça marche. C'était une autre app. C'est-à-dire que IE, t'as deux apps. T'as l'IE app et t'as Origin. T'as deux trucs différents. C'est une autre app, vraiment. Parce que pour moi, l'IA, c'est origine. Ah, t'as un autre truc. T'as deux trucs alors. Oh, mais enfin, quelle idée quoi. À quel moment ils se sont dit c'est une bonne idée, on va faire ça. Au secours. Enfin, ils sont quand même. Au secours quoi. Les dieux de la bonne idée, hein. C'était hautement réactif, en effet. Merci, Lucas. Cet inifère sera plus qu'utile. Maintenant, essayons de faire descendre cette plateforme. Je crois que j'ai vu d'autres manivelles dans les parages. Jetons un œil. Là, c'est pas Origins que j'utilise. Ah, ok, d'accord. C'est ouf. Complètement teubé, hein. Non, vraiment, ils sont teubés. Hein. C'est complètement con de faire ça. Au secours, hein. Voilà nos manivelles. Là-haut, sous les arches. Oui. Essayons. Ils ont rien compris, eux. C'est vraiment des... c'est des abrutis, hein. C'est un truc de fou, hein. Bon, du coup, ouais. Bien tout ça, mais... faut faire quoi, là? À gauche, qu'est-ce qu'il a dit? Là? Ça? Ok, là-bas, il y a une manivelle. Faut que je consomme mon onifère? Oh... j'aurais bien gardé, moi, mon unifère. Yeah, Error Apps. J'imagine facilement la fouille des en plein combat de gladiateurs. Oui, certaines choses ne changent jamais. Ah quoi, de l'alcool, du soufre, la peau. Encore du soufre et de l'alcool. Ah d'accord. Et donc ça, c'était... Vas-y, y a pas des petits bâtons, là? Non, pas de bâtons. Faut que je consomme mon unifère. Oh. Alors que le jeu, il vient de m'enfiler, tu sais. J'ai l'air comme un idiot, mais j'ai origine de Hervé. Pourquoi tu me le prends pas? Il y a encore des roches. Ouais. Ce pot en terre. Bah hier. Il pourrait concentrer l'effet de l'hémisphère et le libérer à l'impact. Vas-y, essaie. Espérons que ça marche. Quoi? Un pot? Pourquoi tu veux que je crame un pot? Hein? C'est fait. Lance-le pour allumer un feu très bref. On pourra traverser, mais on devra faire vite. Ah ouais? Ah, c'est rigolo, ça. Maintenant. Oui, allez. Très bien. Genre des grenades. C'est une bonne idée. C'est facile. Il suffit d'avoir un pot. Ah, c'est trop malin, ça. Ça, c'est trop malin. Hein. En vrai, c'est une super idée, ça. C'est-à-dire que tu augmentes l'utilisation des pots. Et les pots, ça sert pas juste à attirer un ennemi dans un coin pour pouvoir passer. Mais ça peut aussi servir de grenade.
Déplaçons. Oh, trop malin ça. Ce monstre. C'est beaucoup trop lourd. C'est à ça que sert la manivelle de l'autre côté. On a besoin d'être deux. D'accord. Ah. Reste là. Je vais m'occuper de l'autre. J'attends ton signal. Ils sont par là, hein? Oui. Espérons. Si quelqu'un m'avait dit qu'on aurait nos propres jeux du cirque. Si quelqu'un m'avait dit que le monde serait sur le point de s'effondrer à nouveau. Tu t'y attendais pas? Vraiment? Vraiment? Tu t'y attendais pas du tout. Je vais t'aider, Hugo. Je vais trouver ce vaudin. Mais il faut que tu t'accroches. Ah, et quoi là? Là-bas, il y a du loot. Plein de loot. Je préfère tomber la carcasse d'abord. Non? Bloqué? Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que je change de truc en cours de route. Hein? Bah, pourquoi je pouvais pas? Ok, bon, il y a un truc que j'ai pas capté manifestement. Quoi? Qu'est-ce que tu viens foutre là, toi? Ah non, mais je suis pas d'accord. Non, 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 non. Pas d'accord. T'es non. Recramer de l'ignifère pour aller dans un endroit qui a pas besoin d'y retourner. Nemo. On a besoin d'être deux. D'accord. Reste là. Je vais m'occuper de l'autre. J'attends ton signal. C'est ça, Lucia. Espérons. Si quelqu'un m'avait dit qu'on aurait nos propres jeux du cirque. Si quelqu'un m'avait dit que le monde serait sur le point de s'effondrer à nouveau. Ok. Alors. Pouk, pouk. Garder d'autres aliments. Je vais t'aider, Hugo. Je vais trouver ce vaudin. Il faut que tu t'accroches. Mais alors, du coup. Tout ce que je peux. Alors, il faut lancer deux pots? Non. Qu'est-ce que quoi? Allez, déplaçons ce monstre. Je suis pas allé assez vite, c'est ça? C'est beaucoup trop lourd. C'est à ça que sert la manivelle de l'autre côté. On a besoin d'être deux. D'accord. Reste là. Je vais m'occuper de l'autre. J'attends ton signal.
s'occuper de l'autre, on va s'occuper de l'autre, bon. Oui. Dégage. Il gardait d'autres animaux. Je vais t'aider, Hugo. Je vais trouver ce vaudin. Mais il faut que tu t'accroches. Je fais tout ce que je peux. La manivelle maintenant. On fait descendre ça et on file d'ici. C'est bon, Lucas. J'y suis. J'attends ton signal. Ok. Et alors du coup, voilà, ceux du bas là, ils sont occupés. Ah oui, ils sont occupés. Ils sont occupés quoi. Ok, j'ai pas besoin de lancer un pot, d'aller chercher ça et de revenir. En fait. Très bien. Je peux avoir que 6 max. Merde. Ok. Oui, ça marche. C'est noté. 6 max. Mon signal ? Et ben quoi, mon signal ? Ça recommence. Habilité et patience sur toi, mon frère. Oui, bien sûr. Mais on en a vu d'autres. Tu as vu comment ils sont chargés? Leur façon de bouger, ils sont plus rapides, plus agiles, plus intelligents. Mais on a réussi. De justesse. Trouvons le magistère Vaudin. Sacro-labial, c'est pas ça. Hein. Nous ne serons plus seuls pour les affronter. J'espère vraiment que tu as raison. Elle est un peu ventriloque sur les bords, hein, Missia. Raison. Hein? Non, mais c'était chelou quand même. Les gars, ils montent sur la plateforme, ils croisent les bras. Beaucoup de patience. D'accord. Très bien. Hein. Ah, ça me fait penser, c'est un truc que je voulais rajouter sur le stream deck, ça. Enfin, sur le stealth deck. C'est un peu rapproché, non? Je voulais rajouter un truc, marquer un temps fort pour check après éventuellement pour pas avoir à retaper toute la rediff, tu vois, en speed pour chercher des trucs à short, du short matériel. Et du coup, je l'ai pas fait. Faut que j'y pense. Ne le trouve pas avant nous. Allez, dépêchons-nous. La modélisation quand même des environnements, déjà dans le 1 c'était une folie, mais alors là, Cet endroit, regarde-moi ce bordel quoi, en fait. Avant la morsure. Potager en vrac quoi, c'est terrible, enfin c'est vraiment génial quoi, ce jeu. Regarde ça. Petite planche avec les petits pots, les machins, les trucs. Et ah, une fleur. Que fais-tu ici? C'est lui qui l'a planté. Ça peut être une bonne feature. Bah ouais, t'as des trucs comme ça. Je vais la porter. Tu peux là. Le faire avec. Comme avant. Ça te va bien. Ça fait bon d'ailleurs, je vais essayer. J'ai jamais fait. Continuons. C'est quoi? Faire un clip, non? Ajouter un repère. Poc. Voilà. Là, je me suis rajouté un repère. Bon. Je sais pas du tout comment je vais les. Mais est-ce que je sais pas trop, c'est. Du coup, c'est sur Twitch. Donc, faut que StreamerBot il réagisse avec Twitch et pas avec OBS. Et pour l'instant, tout ce que je fais, c'est du truc OBS, enfin StreamerBot into OBS, quoi. Bon. Enfin, voilà. Après, je te parle technique, ça t'intéresse peut-être pas, mais. Bon, on est d'accord que là, c'est pas le chemin normal. Hein. Là, c'est du loot. C'est du loot assuré, là. Une chapelle de fortune. Tu veux prier? Si tu penses que ça peut nous aider. C'est gentil,
Mais on n'a pas le temps. Quoi? Juste une chapelle? Même pas un petit truc à ramasser? Petite bouteille d'alcool? Le curé, ça buvait de l'alcool? Non? Triste. C'est juste un petit lieu caché alors, quoi. Ok, un petit. Attends. Ah oui, d'accord. J'ai chargé OBS pour voir à quoi ça ressemblait, mais j'ai jamais testé. Ah, méfie-toi, hein. Moi ça a commencé comme ça. Hein. Moi j'ai commencé comme ça. Hein. Télécharger OBS, voir un peu à quoi ça ressemblait et tout, pour faire des enregistrements, des FF14 éventuellement. Et puis, oh bah tiens, c'est rigolo, et puis on peut faire des trucs, on peut mettre ça, on peut faire ci, on peut faire ça, oh, c'est marrant. Puis voilà. Puis tu te retrouves à streamer, faire des plannings, faire des montages. Les gens ont l'air de dire qu'ils s'en moquent. Attention. Ce qui n'empêche pas ces mercenaires d'agir en toute impunité. Nous qui pensions être en sécurité. Tu finis en stream, c'est ça. Exactement. Ok, donc ça on avait repéré, il y a un petit coffre là. Il y a un truc de l'autre côté là. Ah! Quoi? Oh. J'ai déjà un couteau, j'ai pas le droit d'avoir un deuxième couteau? T'es sérieux là? T'as le droit de se balader avec des bouteilles d'alcool, donc à qui veut, à qui mieux mieux? Et deux petits couteaux, deux petits coups là, non? Pas d'effort, monsieur. Pas d'effort. Faites pas d'effort, madame. Hein. Maman, là. On est vraiment plus très loin de la tour. Un dernier effort. C'est vraiment grand. Il doit être là-dedans. C'est l'endroit le plus sûr, en tout cas. Si l'ordre a encore un tel pouvoir, il pourrait sauver Hugo. En tout cas, les environnements. Pouf. Quand même une dinguerie. Hein. Et du coup, est-ce que là, est-ce que je vois ma progression des capacités? Non, pas du tout. Combien de chances? Ça, tu le vois. Le vois genre à la fin du niveau en fait, je pense. Non. Ils ont été condamnés. Bah non, c'était même pas à la fin du niveau où il m'a parlé de ça. Les bras zéro, des petits bâtons. Des petits bras zéro et des petits bâtons de l'autre côté, là. Ok. Ah, les rats, ils vont te sauter à la gueule dans pas long, je pense. Ça, en partant de rien. Et ils ont tout perdu en quelques jours. C'est toujours pareil. On a perdu des gars. Il y a quelque chose qui cloche. Allons attraper ce foutu alchimiste et fichons le camp. Nathan Arnaud, c'est un an. Très bien, tant pis. Il est bien dans la tour. Et ils vont bientôt la prendre d'assaut. Lucas, c'est notre dernière chance de sauver Hugo. Oui, on doit atteindre le magistère Vaudin avant que leur chef n'arrive. Viens. Je sais pas trop si c'est bien par là ou pas. Ah. Trop de chemin là. Oh, dans la maison. Edmos. Ah, un petit pot. Toujours bon à prendre un petit pot. Ouais, ça pop du rat là. Hein. Ah oui, d'accord, il y a un gars dans la maison.
De quoi aller, allez. Il est pas égal, hein? Ah si. Ok. Nous servir un petit bâton. Hop, viens, viens. Attendre qu'il se barre l'autre là-haut. Uma va pas du nord. Réussir. La vie du coup en dépend. Allez là. Ah mais il y a un autre gars là. Et par contre là Ah oui. Bon sang. Attaquer. Comme il a pas de casque, je peux l'étrangler. On est découvert. Voilà. Paf. Réveillez-vous. On a des intrus. Ils arrivent. Nous sommes repérés. Tiens, viens par là toi. On va essayer de monter un petit peu l'agressivité. Regardez. Tiens. Paf. Voilà. Ok. Alors du coup, maintenant que les autres sont occupés avec les rats, un truc que j'irais bien faire quand même. Ouais, ouais, t'es trop à cran. Ouais. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mec. J'ai caillou infini. Ça, c'est pour monter l'agressivité. Vous voyez? J'ai bien compris. Hein. Le jeu, il m'a dit, si t'es agressif, tu pourras être encore plus agressif. La violence. Ah ouais, lui, je suis revenu juste pour le sécher. Juste pour faire passer un message aux autres, tu vois. Ok. Marrant, on verra un raccourci. Je pouvais pas passer là tout à l'heure, quand même. Hein ? C'est quoi ? Ça. Par contre, j'ai rien pour éteindre les torches encore. Il est bien, lui. Nickel. Paumé au milieu des rats, là. Tout seul. On est bien. Il a pas l'air en stress, hein. Mais c'est cool parce que je trouve que par rapport au 1,
Le 1, c'était très, 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 très couloir, quand même. T'avais très peu de bifurcations possibles, quoi. Et t'avais un chemin, et il fallait te tenir au chemin, et c'est tout, quoi. Là, t'as un petit côté... voilà, tu peux aller à gauche, à droite... aller dans la maison, là, t'es pas obligé, mais tu peux. Ça, c'est très, très cool, je trouve. Ça rajoute un peu de chemin. Bon, il n'y a pas 40 milliards de chemins non plus, hein, mais... Mais... Il y a un petit peu de diversité dans l'environnement qui fait que... Ouais, c'est cool. J'aime bien. Tu vois que le jeu, il évolue quand même. Hmm. Et là, on va où, là? Ah ouais, là, on se retrouve là. D'accord. Ok. Marrant. Alors l'autre, il est vraiment... il regarde son truc juste devant ma gueule, point barre, quoi. Et que là, si je passe, il va me voir, quoi. Ah ouais. Y'a quoi, là? Les intrus! On est repérés! Est-ce que tu peux faire genre ça... Et ça? Hop. Et t'es où le couteau? Il y avait un couteau que je pouvais pas ramasser. Je me rappelle plus où il était. Faut revenir sur tes pas. Et t'es pas genre dans la maison là? Genre par là, là. Dans la maison avec l'autre? Ou encore avant, je sais plus. Avant. Ah, mais il voulait lui. Est-ce que je pourrais lui lancer un pot d'inifère, genre? Je trouverai rien ici. Ici à la pyromane, quoi. Je vous quand même. Ça l'a même pas cramé. Je suis déçu quand même. Un peu déçu. Il était pas assez dans les fourrés, peut-être. Alors est-ce que le on met beaucoup trop de temps, ça veut dire que il va considère que je suis prudent donc je la joue discret?
verras, ça va être ça. Je vais tous les avoir butés, puis à la fin du jeu, il va me dire « Ah, c'est bien, t'as été discret. » Ah. D'accord. Ah non, je peux plus revenir, en fait. Si. Ah non. Ouais, il est chiant, lui, là. Là. Mec. Ah non. J'ai envie de dire plein. Hein. Bon, ça va quoi. Ouais, si les petits bâtons là. Par contre, ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop par où passer en vrai. Tombe. Je vois bien qu'il y a du loot là-bas, mais. Mais ils sont chiants là. Ça doit être vous. Satan. Ils nous ont détectés. Non. Avec moi, on arrête ces intrus. Est-ce que l'histoire change si tu mets trop de temps? Aucune idée. Aucune idée. Ah mais j'ai plus de couteau. Ça y est, vous êtes. Non, tu peux pas. Bah tu crèves là. Ah. Voilà. Là, ça crève. Quand même. Quand même. Ah, l'indifférent facial, quand même, hein. Bon, il y a un moment. Monsieur, faut mourir. Est-ce qu'il a un casque, lui? Attends. Ouais, je sais pas du tout si le jeu prend en compte le fait que tu prennes du temps ou pas. C'est complètement silence. Hors de mon chemin. Ok, donc lui il avait pas de casque. Manifestement. Manifestement c'était un sans casque. Bon, du coup. Y a un bras zéro. Il semble qu'il y en a un là. Non ? Je sais pas. Eh ben non, pas de bras zéro là. Il y en a un que là-bas. Peut-être un peu loin. Ah oui, trop loin. Bon, j'espère que ça a chargé quand même le dernier gars que j'ai. Oui. Les flammes sont là pour le prouver. Il manque peut-être le gars là-haut. Oula.
la flèche dans le poteau, quoi. Il aurait voulu le faire, celle-là, il n'aurait pas réussi. Bon, du coup, est-ce qu'on passerait pas plutôt par là ? La chape est belle. petite flèche là. Hop là. Allez, je suis sûr que par là ça passe. Quoique. Tu. Sans le petit détour, je pense que ça passe. Eh ben non. C'est trop court. Oh. Foutez là. Je suis déjà passé là, mais il n'y avait pas de rat. Court avec le bâton. C'est insupportable qu'elle puisse pas courir avec un bâton quand même. C'est complètement fou. Combien de temps avant que les rats n'envahissent les autres quartiers ? Aucune idée. Le soleil plus tard. Elle a un bâton, ça y est, faut. Faut qu'elle aille à deux à l'heure, quoi. Là, je peux aller. Oh! What the fuck? Là, il y a du manger. Allez, à la bouffe! On récupère un petit pot. Donc en fait, les pots, c'est des grenades. Doucement, respire. Doucement, doucement. Ah, c'est bon, là. Ils sont tous morts. De toute façon, tranquille. Hein. Bon, là, il y a un pot, mais... Oh, ça n'a pas le coup de cramer ni faire pour aller récupérer un pot quand même. Je viens de me réveiller d'une sieste. Vraiment ? Eh ben, c'est bien, non ? Tu réveilles d'une sieste. T'aimes pas faire des siestes, Lulu, d'habitude ? J'ai l'impression d'avoir dormi 3 jours. C'est bon, ça. Ça veut dire que tu t'es reposé. Par contre, le bâton, sérieux? Je vais économiser là, faut que je sois sous le tour. Ah, mais là, il n'y en a même pas. De toute façon, j'étais full pot. Ok, donc ça servait à rien du tout.
tout ça pour économiser un lignifère. Et au final, voilà. Ok. Ah voilà, il y avait quelque chose. C'est avec de la bave qui coule quand tu te réveilles. Je pense qu'on ne devrait pas être loin. Ah, c'est bon ça. Tu te réveilles parce que l'oreiller il est mouillé, t'es. Ah mais c'est moi. Ah c'est moi, j'ai trempé mon oreiller. D'accord. Ça c'est les bonnes siestes. Ouais mais du loot là-bas. Moi je voulais là-bas. Je vois bien la sortie c'est là. Ok. Mais. Moi ce que je veux c'est accéder à des bouts de bois. Faites chier. Appelle-moi, on en est du jeu. Il est où Hugo? Hugo, il est à la maison. On est allé à la maison. Ah, des bouts de bois. Nice. C'est bon, c'est gagné. Hugo, il est à la maison. Je dois aller voir le magistère. Magistère, je sais plus qui. Je le veux, c'est le mien. Ah bah oui, là, à fond. Hein. Regarde, là, là, moi, je focus sur là. Là, il y a un coffre au milieu, là. Il est au milieu, il est chiant à choper, donc je le veux, hein, clairement. Je vais dépenser toutes mes ressources pour récupérer les ressources, la moitié des ressources que je vais dépenser, tu vois. La logique. Bordel, j'avais détesté ce passage, c'est vrai? Je l'adore, moi. Justement, je le trouve trop bien parce que... il est un peu ouvert. Bon, enfin, j'en viens là pour... finir de loot le truc. Comment je peux passer? Ah mais attends. J'avais oublié une feature. Ah putain mais j'avais oublié une feature. Une feature qui est trop bien. Il y a une feature quand même qui est banger. Dans celui-là. Ah mais non, il y a le mur qui te cache. Ah il était où mon bout de bois? Tout ça pour un pot en terre cuite. Eh ouais mais bon. C'est le pot en terre cuite du milieu du camp quoi. Trop dur pour récupérer. J'en avais abandonné la moitié. Ah ouais? Ah bon. Le graffin. Le graffin lui. Le graffin. Ah mais vous faites chier là. Vous restez là vous. Ah je peux grimper là. Et donc je disais ce que j'aime trop dans cette zone là. C'est que tu peux... C'est un peu ouvert en fait. Comme c'est suffisamment grand, ça te permet de te balader un peu, tu vois. Telle maison, pas telle maison. Tu vois. Bah toi justement, comme t'avais pas trop envie, bah t'es allé tout droit. T'as fini le niveau. Et puis voilà quoi. Tu vois. Et it's ok, hein. Pas de soucis. Mais justement, c'est trop bien parce que du coup, c'est un peu moins dirigiste, en fait. Ça, c'est trop trop bien en vrai. Par contre, il n'y a rien d'allumé là. En fait. Ah ouais. Il n'y a rien à allumer du tout en fait au milieu. Il y a des gardes? Bon, j'ai pas vu de garde. Quel... Non, je crois pas. Non, non, il n'y a pas de garde.
D'un coup, Yober, y a pas de garde. Pas de garde, hein. Je crois pas. Hein. Ouais, donc faut y aller avec des pots, quoi. Faut casser les bouches avec des pots, quoi. En gros. On a pas vu de garde. Oh non, il me semble pas, hein. Ça va, je dois confondre avec le même genre de passage avec des gardes. Ouais, je pense. Ouais, ça doit être ça. Hein. Je dois confondre parce que là, pas vu de garde. Hein. Bon. Il est super chiant en fait là. Comment je fais? Ah si, là. Si, j'ai. Quel acteur! Pourquoi quel acteur? Je comprends pas. Pourquoi tu dis ça? Bizarre. Ouais. Ok. I'm lost. Non, en fait, si, il y avait des gardes de fou, Lulu. C'est juste que je les ai défoncés. Je les ai tous butés. C'est tout. Je les ai tous... ouais, voilà, quoi. Tous niaqués pour pouvoir récupérer les loups de peinard. Hein. Tout simplement. Mais enfin. Ah bah ouais. Ah ouais, ça tue. Et alors là, je fais ça. Oh, pas le temps. Hein. Ah, t'as pas le temps. Hein. Dinguerie, ça. Ah, il y a un autre bras zéro là. Attends. Quoi ça? Mais enfin, bah. En fait, celui-là, là, ça vaut plus le coup, je pense. En fait, celui-là, je pense que pour le choper, faut genre faire le tour et se foutre derrière le mob, le garde avec sa torche, là. Et le suivre, tu vois, par derrière pour récupérer... Il y a un moment dans le 1 où on est obligé de faire ça aussi. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Bon, est-ce que ça amène à autre chose, là? Ah bah oui. Peut-être bien. Allez, cassez-vous là. Ouais, ok. Et alors? Bon, il y a un pot, on est full déjà. Ah! Un bout de bois éteint là. Ouais. Bon écoute, hein, voilà, ça va allumer comme ça, hein. C'est tout. Hein. Ça va ramener les bouts de bois et tout, ça va être chiant. Mais je peux toujours pas passer. Bon les gars, vous êtes relous là, les rats. Un peu chiant les rats en vrai.
Ah, je peux juste faire ça en fait. Je suis pas obligé d'utiliser des nifères. Bon, c'est pas grave. Allez hop. Putain, j'ai cru que j'allais tomber dedans. Allez. Axie à me dire là. T'as été assez discrète. On y est. On est à l'abri. Tu t'en es bien sorti. Il dit rien. Qu'est-ce qu'il y a? Vaudin est quelque part ici. On a réussi. Ces derniers mois, sur la route, après tout ce qui s'est passé en Guyenne, Hugo a toujours été terrifié à l'idée que ça recommence. Ah bah... Mais... Juste le titre, manifestement. Magnifique et silencieux. Et... Alors, je lui ai dit... que c'était peut-être... terminé. Que t'as bien fait de rajouter le peut-être. Je pense. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire? Que les rats sont de retour? Que la mort surtue par ben... milliers? Tu pourras lui dire, voilà Hugo, l'importance du peut-être. C'est au-dessus de mes forces. Ce serait le cas pour tout le monde. Mais nous ne serons bientôt plus seuls face à tout ça. Nous aurons les meilleurs alchimistes à nos côtés. Les meilleurs alchimistes, là. Ils vont sauver le monde, ils vont faire des dingueries. Il y a le chat, papa. D'accord. Ah ouais. Regarde. Une vraie loge de l'ordre. Bah. Trouvons ce magistère, Vaudin, pour Hugo. Chat. Je le veux, c'est le mien. Tu veux l'épaule un peu? Allez. Message pour le chat. L'histoire, c'est que le gosse contrôle les rats et que les rats le suivent. Ah, tu connais pas l'histoire, Kuyober, du tout. Alors du coup, le... Allez, le perroquet. En gros, ouais, en gros, c'est un peu ça l'histoire. Lui, il a une espèce de maladie. Enfin, c'est pas vraiment une maladie, mais c'est un genre de pouvoir qu'il y a dans le sang. Et... comment ça lui permet de contrôler les rats en fait. En fait, tu sais, les veines noires là qu'il avait à un moment, ça lui permet de contrôler les masses de rats. Et en fait, dans le 1, il y a tes parents qui se font pouillave, tout ça, et tu retrouves juste la sœur et le frère. Et t'as une espèce d'évêque ou je sais pas quoi, une espèce de curé qui veut récupérer la macula à son propre pour son propre pouvoir en fait. Et contrôler les rats comme ça, tu vois. Bah pour faire la guerre, pour avoir du pouvoir, tout simplement. Quoi. Et toi, dans le 1, tu l'éclates et tu permets à Hugo de récupérer un peu le pouvoir sur les rats. Donc en fait, dans le 1, t'as des passages où carrément t'es avec Hugo et tu contrôles les zones comme ça et tu dis aux rats, va là, fais ci, fais ça, et ça fait une base de rats et t'attaques les gens avec et tout. Il y a cette mécanique-là, un petit peu dans le jeu, dans le premier. Donc dans le 2, bah, ils sont échappés, ils essayent de... Comment de... Bah, de contenir la macula qu'il y a dans son sang pour éviter qu'elle se déclenche trop abruptement, quoi. Et en gros, ce qu'a disait la mère au début, là, je sais pas si t'as fait gaffe, mais elle a parlé de... du deuxième seuil. Et en fait, le deuxième seuil... Alors pour moi, dans le premier jeu, il passait que le premier seuil. Et là, il disait qu'ils avaient passé le deuxième seuil. Depuis le deuxième seuil, ça, c'était ok, mais... Et du coup, en fait, dans le premier, tu passes à un seuil. C'est pour ça que Sarilgo, au moment, il parlait de Super Saiyajin. C'est un peu cette idée-là de... Tu passes un seuil, tu deviens de plus en plus fort, machin bidule, tu vois. Par contre, il entend les rats et tout, ça le rend un peu taré, quoi. C'est un vestibule. Comme ça, un pouvoir de fou, bah, ça, c'est sujet à convoitise. Je ne vois pas de porte, mais ces sortes de cloches en métal. Regarde,
Elle porte des symboles de planète. A priori, le deuxième seuil. Si le soleil trône. Ce que ça veut dire, dans le premier, il était au premier seuil. Bon. Il me semble, si je dis pas de conneries. Il y a une l'ordre des planètes n'est pas le bon. C'est un seul et même mécanisme. Mais on n'a pas de clé, alors. Je pense que la clé fait pivoter chaque cloche. Mais ta fronde pourrait faire l'affaire. Commençons par la gauche. D'accord. Le bon ordre est, de gauche à droite, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus et Mercure. Le symbole de Jupiter ressemble à un Z, comme Zeus. Hein ? Jupiter ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Là, faut me répéter, là, mec. Hein. Jupiter, Vénus, quoi ? Hein ? C'est quoi le... ce qu'il a raconté, là ? Le bon ordre, je sais pas quoi, là ? Oh. Attends, attends, mec. Mec, qu'est-ce que t'as dit, là ? Ouais, ou avec une petite tirée. Comment je suis censé savoir ce que c'est, ça ? Ah, on a marre. Il dit Jupiter ressemble à Z comme Zeus. Bah oui, c'est tout. Il entend les rats, le renard et la belette. Bon. On va commencer par Jupiter, hein, disons. Il me dira peut-être les autres après. C'est ça. Jupiter. Et ensuite ? À droite de Jupiter, c'est le dieu de la guerre. C'est un bouclier transversé d'une lance. Une lance, un bouclier. Mars devrait être un cercle avec une ligne le traversant. Mars, c'est ça. Maintenant Vénus, c'est celui juste à droite du Soleil. Le symbole a la forme d'un collier. Bon, de toute façon, s'il dit à chaque fois que ça c'est bon, ça c'est bon. Je cherche un cercle avec une ligne tracée vers le bas. Je crois que c'est Vénus. Le dernier, c'est Mercure. Le dieu du commerce. Il porte un tronc avec deux serpents entrelacés. Et voilà, voilà, je crois que c'est bon. Mais... Oui. Regardez, ce mur pivote. C'est vraiment archaïque. Beau travail. Allons trouver ce magistère. C'est marrant. C'est vraiment archaïque. C'est rigolo parce qu'en général, t'entends pas le mot archaïque utilisé de cette façon-là, quoi. Les gens sont pas particulièrement heureux d'un truc archaïque. Oh, c'était tellement archaïque. Oh là là. Magister Vaudin, je suis Amicia de Rune. La fille. Je comprends ah ouais, pourquoi ces bruits c'est la fille, quoi. Musicalement bas. L'ordre a été impressionné par ta façon de défaire l'Inquisition en Guyenne. Eh bien, je n'avais pas vraiment le choix. Pas un choix. Une vocation. Celle de protectrice du porteur. Une quoi ? Une protectrice. Ta fonction au sein de l'ordre. Mais je ne suis pas... Et tu es ? Lucas. Je suis aussi alchimiste. Un apprenti. Ta magistra, c'est elle que tu te présentes ainsi. Peu importe. La Macula vient de se réveiller. Mon frère a besoin de votre aide et les rats sont déjà à vos portes. Calme ta colère, protectrice. Elle pourrait bien te consumer. Eh oui, parce que la colère mène à la haine. Et la haine mène au côté obscur de la force. Allons voir ce porteur. Magister Vaudin. Où est-il ? En haut. Il a une skin trop chelou avec cette nuque violette et le petit bonnet rouge, quoi. Hugo, voici Magister Vaudin. Bonjour. Je dois commencer immédiatement. J'aurai besoin de calme. Mère, je m'en occupe. Autrement dit, cassez-vous.